bah non. Oh non. J'ai un peu le seum. Le parc il est fermé. Il est trop joli. J'ai le seum. Je l'ai trouvé en baladant un jour. Et il y a vraiment personne dedans. En mode c'est un parc, il est ouvert. Il y a personne. Littéralement, genre, zéro humain dedans. Et j'ai un peu le seum parce que le parc il est fermé, c'est trop bien, je voulais faire le club dedans. Du coup j'essaie de le faire s'il n'y a pas trop de vent. S'il y a trop de vent, je vais le faire chez moi. Je sais pas, dans un endroit un peu plus posé. Vous voyez les bâtiments là-bas? C'est le Blackpool Shopping Center. C'est là-bas que j'habite. Enfin, c'est j'habite juste à côté quoi. Et du coup c'est à genre 10 minutes d'ici à pied. J'ai trouvé un endroit aussi stylé et qui n'est pas fermé parce que tu peux, il n'y a pas de porte, tu peux pas le fermer. C'est dehors mais c'est un peu en contrebas. C'est genre dans un genre de vallée et il n'y a pas beaucoup de vent je pense. Du coup je vais faire mon vlog ici. Ok, donc en gros ce que je voulais dire c'est que quand je suis allé dans ce parc, quand je suis rentré, on était jeudi ou mercredi, on était vraiment au milieu de la journée. Et parce que du coup le parc était ouvert à ce moment-là. Et un truc qui m'a choqué c'est à quel point il y avait personne. Mais genre il y avait vraiment personne, je suis resté une bonne demi-heure dans le parc sans que quiconque entre. Et au bout de la demi-heure, quand j'ai pris genre quelques photos, etc. Il y a un mec qui est rentré pour balader son chien et du coup je me suis cassé à ce moment-là. Mais ça me fait penser à un truc que j'ai recherché avec Mathieu l'autre jour. C'est la population à Cork. Il y a très peu de gens, très peu de gens. La ville est quand même vachement grande pour le nombre de gens qu'il y a dans la ville en fait. On est 120K à Cork depuis, enfin c'est ça de 2017 je crois ou 2016, mais ça n'a pas trop bougé je pense. Et ça se ressent. Il y a plus de gens en Seine-Saint-Denis que dans tout Cork. Il y a plus de gens à Paris. Non, il y a plus de gens en Île-de-France que dans toute l'Irlande. Et dans Paris, il y a l'équivalent de plus de 50% de la population irlandaise. En termes de nombre. Et du coup, c'est incroyable parce que tu te retrouves avec un pays et une ville qui sont extrêmement calmes. Extrêmement chill comme ça, où il y a quasi personne et où toutes les relations sont vachement humaines. Genre c'est chaque personne vaut quelque chose. Par exemple, vous vous souvenez quand j'étais allé au ramen, vous en avez parlé, etc. Et un jour quand j'y étais allé, j'avais demandé s'ils avaient des baguettes. Et ils avaient dit que non parce que personne ne les prenait jamais. Et du coup je leur ai dit que c'était dommage parce que j'aimerais bien en avoir. L'autre jour on y est allé, ils en avaient rajouté. Alors que je suis presque sûr que moi et du coup les 5 potes qui étaient avec moi, genre Mathieu, Alexandre et 2 autres mecs, on a été les seuls à en demander. Et genre c'est genre à ce point là de, il y a tellement peu de gens que 2-3 mecs qui posent une question ou pas, parlent d'un truc, c'est assez pour réveiller un intérêt de la part du reste de la communauté. C'est quand même terrible. Enfin moi je trouve ça cool parce que c'est sûr qu'il y a très peu de gens et c'est très chill et je kiffe cette atmosphère là, mais c'est vrai qu'à côté on est très loin du Paris où les mecs c'est littéralement des chiffres et genre la vie de quelqu'un ça vaut quasi plus rien. Là le temps que le monde passe à la radio à raconter qu'un mec s'est fait voler ou un mec s'est fait attaquer ou un mec a été attaqué en justice alors que vraiment il se passe, genre c'est vraiment les histoires à la radio, c'est entièrement des trucs comme ça. C'est full des histoires sur l'humain, sur à quel point il y a un mec qui lui est arrivé une merde, un mec qui s'est fait attaquer, un mec qui s'est fait buter à un moment. Genre, alors qu'à la radio française, il se passe rien de tout ça. T'as le mouvement Gilets jaunes, aka
plus de une dizaine de millions, voire une centaine de millions de personnes en France, et tu les mets tous dans un groupe. Et ça représente toute la population de Cork. T'imagines si Cork il faisait ça, genre il mettait tout le monde dans un même groupe de 100K personnes, c'est littéralement toute la ville quoi. Ils peuvent pas, ils peuvent littéralement pas. En termes de logistique, en termes de tout, ils peuvent pas faire des trucs aussi généralistes que à Paris ou en France. Du coup je trouve ça génial. Et en vrai je suis trop content d'être passé par ici parce que c'est trop joli. C'est super calme et c'est super joli en vrai. Quand j'ai parlé des gilets jaunes, j'ai dit dizaines de millions, centaines de millions, mais je voulais dire dizaines de milliers, centaines de milliers. Du coup, j'ai commencé à réécouter ce que j'ai raconté pour voir s'il n'y avait pas trop de vent et s'il fallait pas que je répète des trucs, en vrai ça va. Donc je disais, je parlais des trucs à la radio et je parlais du temps que les gens passaient à discuter de choses humaines. Donc le temps que les gens passaient à discuter de choses humaines, que ça devient une forme de pouvoir en fait. Ça veut dire que t'as des marques, genre Tesco, qui marketent une partie de leurs produits comme ça. Le vent. Qui marketent une partie de leurs produits comme étant, de leurs services, comme des services qui aident les gens à la personne. Et leur moto là, leur phrase d'accroche, c'est littéralement Tesco Every Little Helps. Quand ils parlent des services de bouffe envoyée chez toi pour les vieux, etc. Les réductions qu'il y a, etc. Et c'est littéralement une forme de pouvoir. Il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi dans les manifestations. C'est-à-dire que vu qu'il y a très peu de gens, il faut très peu de gens pour soulever un mouvement. Quand t'es en France, le mouvement Gilets jaunes, il y a de la masse de gens, il y a vraiment des dizaines de milliers de personnes. Ici, voilà le vent. Ici, un des mouvements qui a fait le plus de bruit. J'attends le vent du coup. Ici, un mouvement qui a fait le plus de bruit, c'est un mouvement d'infirmières qui n'étaient pas assez bien payées et qui ont décidé de se révolter, de faire une grève et d'arrêter de travailler et de se poser devant l'hôpital où ils travaillaient et de faire la ronde avec des pancartes, etc. Et j'avais vu ça sur un journal. Puis après j'ai entendu ça à la radio, puis je l'ai vu de mes propres yeux parce que c'était dans le sud de Cork et je l'ai vu. Tu sais, c'était combien devant l'hôpital? Elles étaient 50. Pas 50 000, pas 500, elles étaient 50. Il y avait 50 meufs, qui, même voire moins en fait, parce qu'elles tournaient en rond, du coup je pouvais avoir mal compté, mais elles étaient une cinquantaine. Et ça a soulevé les hôpitaux parce que du coup ils n'avaient plus personne, c'était toutes leurs infirmières. Ça a paralysé les hôpitaux et ça a levé un gros mouvement de panique en mode il y a un truc, faut s'agir quoi, faut agir. Ça en France, ça a un poids négatif, c'est de l'antimatière, personne n'en parlera jamais, ça bougera jamais. Et pour qu'un mouvement de grève ait vraiment de l'ampleur, faut des milliers de personnes qui participent. Sinon, ça sert à rien. Tu vois qu'une bande de meufs s'arrêtait, posait leur téléphone devant elle pour tourner un TikTok. Je sais pas ce qu'elle branle, mais elle tourne un truc pour Snapchat ou pour TikTok. C'est terrible, j'ai envie de mourir. Dit-il en tenant un téléphone à la main et en train de bloguer. Bon, je suis en train de revenir chez moi. Ça, c'est la rue de chez moi. J'ai passé la porte. Et ça, c'est chez moi. Bah du coup salut, je pense que j'ai terminé ce que j'ai à dire. C'est stylé encore, que je trouve que c'est sympa, j'ai envie de plus me balader comme ça. Du coup c'est la fin de mon vlog, passez une bonne journée, à plus.